Bonjour à tous, salut Tino, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant le jeu Disney Dreamlight Valley, l'Animal Crossing like de Disney, qui sort mardi. Alors j'imagine que vous êtes comme moi et que vous attendez beaucoup de ce jeu et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Comme vous le savez tous, le jeu sort mardi, mais à quelle heure? C'est une question que j'ai vue pas mal de fois sur divers forums. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est pour répondre à cette question. Comme tu le vois sur ce qui est présent en ce moment à l'écran, le jeu va sortir à 15h heure française mardi. Donc à partir de 15h, si tu as déjà précommandé le jeu, il doit déjà être sur ta console et dès 15h mardi, tu pourras y jouer. Et dès mardi soir, tu trouveras sur ma chaîne YouTube des vidéos de gameplay ou d'astuces concernant le jeu. Moi, il y a un aspect que j'ai très hâte de découvrir et j'espère vraiment qu'on va le voir dès mardi, c'est le pass de combat qui s'appelle La Voie des Étoiles. Alors vraisemblablement, pour ce pass de combat, il y aura deux niveaux, un niveau classique et un parcours premium. Je ne sais pas s'il va réellement y avoir deux voies des étoiles ou s'il va y en avoir qu'un avec des objets que tu vas pouvoir débloquer gratuitement et à côté de ça des objets que tu ne pourras débloquer que si tu as pris la version premium ou s'il y aura réellement deux voies des étoiles. Moi je pense plutôt qu'il n'y en aura qu'un avec des items débloquables gratuitement et d'autres non. Dans tous les cas, si tu as acheté un pack fondateur, tu as déjà des pierres de lune qui te permettront pendant quelques mois de pouvoir acheter ce pass de combat, la voie des étoiles. J'ai réussi à récupérer sur internet une seule image de ce pass de combat et comme tu le vois, il y a différents paliers. Alors malheureusement, on voit quand même beaucoup de pièces à débloquer avec ce palier et je pense que les pièces seront trouvables facilement dans le jeu. Nous verrons bien, mais il y a également quelques items comme un petit lampadaire, le lit, mais surtout la tenue de Mickey Magicien. Moi j'ai une grosse question par rapport à cette tenue. Est-ce que ça va être pour notre avatar ou est-ce que ça va être pour le personnage de Mickey dans le jeu? J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Voilà, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu as aimé cette vidéo parce que dès mardi je vais bombarder de vidéos de gameplay et d'astuces du jeu. J'en attends beaucoup 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 de ce jeu donc j'espère qu'on va vraiment s'éclater tous ensemble. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi tu attends de ce jeu et si tu as des attentes particulières par rapport à mes futures vidéos sur le jeu. Je te remercie et puis je te dis à très bientôt. Bye!